Der nächste Beitrag ist wieder ein bisschen ein Optikwechsel. Wir haben jetzt verschiedene Vertreter von staatlichen Stellen, Ämtern, Kantonen gehört, Vertreter auch von Firmen. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Hochschulen und dort bestimmte Institute, die sich damit beschäftigen, oder eigentlich Daten zu sammeln, Daten auszuwerten, vor allem auch im politisch-administrativen Bereich. Und vom Institut des Hautes Études en Administration Publique der Universität Lausanne begrüße ich jetzt Christoph Koller und er wird uns erläutern, was in Lausanne mit politischen und administrativen Daten angestellt wird. Merci beaucoup. Donc j'ai l'occasion de vous présenter un peu ce projet qui est piloté par l'IDEAP, qui est rattaché à l'Université de Lausanne. Et c'est un projet en fait qui est soutenu par les cantons depuis un certain nombre d'années. En fait, c'est un projet, je dirais, assez visionnaire pour les années 90, qui avait été lancé donc, par le professeur German, décédé en 1999, un politologue et juriste saint-gallois, qui en fait avait lancé ce projet déjà au début des années 90. Donc vous voyez ici, je dirais, la version actuelle, hein, avec pas mal de développement par rapport au premier projet pilote. Et donc, je me permets de faire une présentation en français pour varier un petit peu, pour montrer aussi un peu la richesse de la Suisse, hein, donc avec trois sensibilités différentes. Donc, vous voyez, le titre n'est pas absolument identique dans les trois langues. En français, on parle souvent d'observatoire. En allemand, c'est plutôt Beobachtungs que j'ai utilisé. L'observatoire est politiquement peut-être un peu difficile. Et j'ai mis aussi le titre en anglais. Vous verrez que dans les slides, donc les slides sont présentés en allemand, enfin anglais, allemand, pour faciliter, je dirais, la lecture pour les personnes qui maîtrisent pas bien le français. Alors, ma présentation, je vais devoir être très court, donc je vais vous présenter un petit peu la BADAC, hein, donc je dirais le but du projet, enfin vous présenter un petit peu les acteurs, la méthode, les prestations. Donc il y a toute une série de prestations qu'on a développées, qui devraient être utiles d'abord pour les cantons, pour les autorités elles-mêmes, mais qui sont très demandées aussi de la part des parlementaires, donc beaucoup de demandes des parlements, y compris des parlements cantonaux et des villes, et également du public en général, donc il y a une grande demande de la part de la recherche et surtout des journalistes qui nous contactent régulièrement pour, je dirais, publier des résultats et apporter un peu de transparence, je dirais, dans ce système fédéraliste relativement complexe, vu de l'extérieur, mais aussi vu de l'intérieur. On se rend compte qu'il y a très peu, je dirais, de vrais spécialistes qui sont capables de nous donner des réponses rapides. Je ne dis pas que la BADAC peut donner une réponse à tout, mais en tout cas, elle essaye de rassembler un maximum d'informations disponibles au niveau de la statistique publique. Donc, il s'agit surtout d'une approche quantitative. Et donc on essaye de faire notre possible pour amener un petit peu de transparence dans ce système. Alors la BADAC, c'est d'abord une clé de lecture, comme je viens de le dire, de l'État, du fédéralisme, donc de rendre les données accessibles, d'essayer d'avoir une mise à jour permanente des données, donc c'est un système de veille, de monitorage, je dirais, des administrations publiques, dans l'idée de suivre au mieux les réformes dans les administrations. Donc c'était vraiment l'idée de départ, d'essayer de montrer comment évoluent ces transformations de l'État, comment évoluent les transformations des activités étatiques. Ensuite, donc, rendre ces données, autant les données, mais aussi les publications, donc la mise en valeur des résultats via des publications qui sont accessibles en ligne en deux clics. Donc, je dirais que ça, c'est aussi une des grandes questions pour les historiens. Moi-même, donc, j'ai pas mal fréquenté cet établissement et je peux vous dire que c'était pas facile effectivement de trouver l'information, même si on trouve les personnes compétentes pour nous aider, on arrive à la faire remonter. Mais après, de la mettre, je dirais véritablement, de la mettre en valeur et d'assurer sa pérennité quelque part, donc une question que je pose aujourd'hui aussi pour cet après-midi, c'est la question de la publication des résultats, sous quelle forme, en fait, on garde toute cette information. Ensuite, donc, un point important pour la BADAC, donc, c'est de collecter des données originales. Donc, il ne s'agit pas simplement de mettre en valeur les données qui existent, mais aussi de trouver l'information auprès des cantons. Et c'est là que les chanceliers et, je dirais, les organes d'état-major des cantons sont vraiment importants. Donc, trouver les partenaires dans les cantons qui font remonter l'information, en espérant aussi qu'ils trouvent le temps et l'énergie pour faire remonter cette information.
L'idée de la BADAC, c'est de créer des indicateurs. Donc, tout système statistique ou statisticien est amené à créer des indicateurs les meilleurs possibles. On est bien d'accord que toute statistique est une estimation, mais on essaie de développer les meilleurs indicateurs possibles pour répondre à un ensemble de questions et développer, je crois que c'est ici le sens de la journée et de, je dirais aussi du secteur privé, de développer des nouvelles solutions, des outils en fait pour mieux visualiser, mieux faire comprendre cette complexité, ou je dirais montrer un petit peu les différences, donc trouver une approche comparative dans toutes ces données. Alors ça, j'ai trouvé cette image dans The Economist, en fait c'est un numéro spécial de l'année dernière que je vous invite vraiment à lire, qui est très intéressant, qui est en plein dans la thématique du jour. Cette profusion de données, donc ce déluge de données, que peut-on en faire, que faut-il ou que pourrait-on en faire pour mettre tout ça en valeur? Alors c'est un des objectifs, je dirais, qu'on s'est fixé, c'est d'essayer de récolter les informations de la part des principaux partenaires ou je dirais principaux producteurs d'informations. Vous voyez tout en haut évidemment le logo de la Confédération, principalement l'Office fédéral de la statistique. En dessous, donc, c'est des instituts de recherche, d'autres universités, l'Institut du fédéralisme en l'occurrence. Ensuite, vous avez les partenaires auprès des cantons, différents services de statistiques et des villes aussi. Certaines villes jouent un rôle très important non seulement dans la récolte d'informations, mais la mise en valeur de l'information. Et ensuite, d'autres partenaires de recherche ou alors des partenaires au niveau international qui nous donnent aussi des clés pour mieux gérer ou, faire ressortir l'information, comme je pense en particulier là à l'audit urbain piloté par la communauté européenne. Alors, les recommandations, des chanceliers, en fait, le mandant de la BADAC, le financement de la BADAC est assuré par les cantons au prorata de la population. Et les cantons nous ont demandé de simplifier au maximum donc les enquêtes qu'on mène pour faire remonter cette information, d'utiliser au maximum les synergies avec toutes les données qui sont disponibles, d'apporter, cette information, de la délivrer vers le public et de créer, ce qui est très peut-être à la mode plutôt dans l'entreprise privée, une approche de benchmarking. Moi, je parlerai plutôt de bench learning, donc il y a aussi une utilité pour la recherche, et d'essayer de rendre ces données comparables. Alors à ce niveau-là, on n'est pas encore à ce stade de la comparabilité internationale des données, mais vous verrez que les outils en fait permettraient assez facilement de comparer en fait nos données suisses avec des données internationales. Alors le site, je pourrais aussi faire une démonstration en ligne, y compris avec les cartes. Vous verrez que la BADAC a développé un système de visualisation cartographique des données. Donc le site est bilingue, français-allemand. Vous voyez la maquette en haut à droite. L'idée, c'est d'avoir une base de données unique qui intègre en fait l'ensemble des informations niveau cantonal, communal, surtout donc concentrant les données sur le niveau des villes. Donc des données, comme je le disais avant, uniques, réalisées à travers nos propres enquêtes, et donc avoir une espèce de plateforme qui nous permette de mieux lire l'état. Alors je vois qu'on monte déjà les 3 minutes. Donc la solution technique, c'est une solution open source, enfin en partie open source, donc où on a une base de données MySQL et la langue de programmation PHP assez standard. Par contre, le système de visualisation cartographique utilisé par plusieurs cantons, donc Geoclip, n'est pas véritablement open source. Alors les différents outils, là je vais passer très vite, je vais juste vous montrer quelques exemples. Donc on peut produire des portraits régionaux par canton. Donc vous voyez en fait ici à gauche les principaux thèmes traités par la BADAC. Il y en a 4 centraux, donc qui touchent les autorités, les structures administratives, le personnel de l'administration publique et les collaborations intercantonales. Les autres données sont des données de mise en perspective qui permettent en fait d'analyser, d'aller plus loin dans les résultats. Et sur la droite, vous voyez vraiment les résultats pour chacun des indicateurs et qui permettent de générer des comparaisons en fait pour chaque indicateur proposé. Ici, vous avez les tableaux thématiques qui permettent de mettre en relation différentes dimensions et le monitoring, où là, je prendrai simplement l'exemple sur la base des structures administratives. Vous voyez sur votre droite, en haut à droite, le nombre de services des administrations cantonales. Donc, vous voyez une certaine évolution et dessous, un indicateur, je dirais, un peu plus lisible, qui vous montre l'évolution entre 1990 et 2011. On voit très bien en rouge donc une forte diminution du nombre de départements.
Par contre, dans certains cantons, une multiplication des services, qui est liée aussi à une demande qui émane du public, et dans d'autres, une diminution. Là, je vais passer sur ce slide parce qu'il est relativement connu, donc on a un mode un suivi en fait, des élections dans les cantons, tant au niveau des parlements que des gouvernements, tant au niveau des villes que des cantons. Donc là, on a vraiment un outil très rapide, je dirais, pour les politiciens, pour suivre l'évolution des résultats dans une base de données intégrée. Un autre outil, donc, vu qu'on a ici une base de données relationnelle, donc c'est la possibilité directement de comparer les données urbaines avec les données cantonales et de faire aussi des régionalisations, par exemple, pour les grandes régions Eurostat. Alors, on a parlé déjà un peu des cartes, je vais aller assez vite dessus. Donc, vous verrez qu'on peut aussi produire à partir de l'outil de Geoclip ses propres cartes. Donc, on peut aussi intégrer des données, comme l'a présenté notre collègue autrichien, pour produire ses propres cartes aux différents niveaux géographiques ont été esquissés. Donc, c'est-à-dire le niveau des cantons. Là, c'est un croisement entre le personnel des administrations cantonales et le poids des chancelleries dans les différents cantons. Donc, vous voyez qu'il y a des stratégies, des approches qui diffèrent d'un canton à un autre dans la gestion des affaires courantes de l'État. Alors, l'idée, c'est aussi de communiquer donc ces résultats à la presse. Donc, quelques exemples de communication, autant en Suisse alémanique, au Tessin, qu'en Suisse romande. Et peut-être la présentation, donc l'annonce déjà d'une nouvelle publication qui sortira à la fin de l'année, qui résume, je dirais, un peu les résultats de la dernière enquête menée auprès des cantons et qui reprend aussi toutes ces informations donc, qui est disponible sur le marché de la statistique publique devrait aider à une meilleure lecture, je dirais, du fédéralisme, de cette diversité, en fait, des différentes solutions étatiques sur le territoire national. Est-ce que je peux... Le facit, donc, je ne vais pas répéter en fait ce que j'ai dit. Donc c'est effectivement que là on a une approche politico-administrative où on a beaucoup parlé de la Confédération aujourd'hui, mais évidemment la Suisse c'est d'abord les cantons ou des cantons avec des solutions et des approches différentes. Et l'idée c'est de justement avoir cette possibilité très rapide et très accessible de pouvoir voir chaque solution et de chercher en fait quelles sont les best practices dans un canton. Donc on a souvent des mandats de canton qui nous demande, voilà, on a ce problème, le dernier qu'on a traité, ce problème des services de migration, on a ce problème, comment font les autres cantons pour régler ces choses? Donc on fait une analyse, on fait une enquête dans les autres cantons et on publie ces résultats sous forme papier ou en général plutôt électronique. Alors voilà,